Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Comme le dit le titre, les gars, je vous présente un glitch d'onde de véhicule, mais ultra facile, truc de fou. Donc il va pas falloir grand chose, il va falloir un complexe, un camion mobile, un mock, et un ami qui vous donne des véhicules. Donc cette manip, franchement, easy version plus plus plus. C'est parti. Donc vous allez placer votre véhicule au plus près possible du complexe. Et à un moment, il faudra faire un test, voir la cinématique si vous êtes bien garé. Donc ça ne marchera pas facilement avec tous les complexes. Mais aux éoliennes, c'est au top. Je vous dis pas comme c'est facile. Donc vous placez au plus près, vous faites des tests, vous sortez la RH8. Et en même temps, quand vous rentrez, vous allez avoir la cinématique de la rampe du camion. Indispensable. Ensuite, vous allez mettre une RH8 dans le camion d'entrée. Et moi, je vous conseille de mettre des RH8 dans le complexe. Comme ça, vous allez pouvoir switcher vos dons de véhicule. Donc, ce glitch, il est exceptionnel parce qu'en même temps, vous allez récupérer la plaque de la RH8. Donc, ça veut dire plaque propre. Et tous ceux qui veulent faire des duplications, ça sera le top. Il faudrait faire des Elegy avec des plaques propres. Ça veut dire à chaque fois, les plaques seront pas pareilles. Et pareil, si vous voulez, par exemple, mettre une plaque que vous avez custom, vous mettez un véhicule qui a la plaque custom dedans avec votre nom, exemple, vous dupliquez et vous allez récupérer cette plaque sur un autre véhicule. Donc pour ceux qui veulent leur nom sur leur véhicule modé, c'est une solution. Voilà, c'est parti. Donc là, j'ai la cinématique, c'est bon, je suis bien garé. Ensuite, vous sortez, il va falloir voler une voiture de PNJ, une voiture de la rue, qui n'est jamais rentrée dans votre complexe. Donc votre complexe, il doit être plein. Et encore mieux s'il est plein de RH8. Donc vous pourrez dupliquer autant de RH8 que vous aurez. Là, je vais demander à Kevin. Merci Kevin et merci Kader pour m'avoir aidé pour cette vidéo. Ils sont toujours là, les potos, ils me régalent. Abonnez-vous à sa chaîne, Kevin by Apple. Donc lui, il a déjà sorti le glitch. Et si c'est pas lui qui le sort en premier, c'est moi et on les sortira, même si on sort les mêmes, on s'en fout. Tant que ça vaut le coup. Ensuite, les gars, je vous conseille, parce que ce soir, il va être patché. Je vous conseille de ne pas éteindre votre console. Parce que ce glitch, il est énorme. Donc pour pas éteindre votre console, vous allez vous mettre en mode histoire et ensuite mettre votre console en mode repos. N'oubliez pas ça, comme ça vous gardez le glitch. Et ce week-end, on va se faire des dons de véhicules de ouf. Et je pense même demain, je vais vous faire un pur live. Kevin va vous faire un pur live aussi, c'est prévu. On va vous donner des véhicules. Donc là, vous voyez, je vais dans ce message, je le refuse. J'ai fait flèche de droite, j'ai refusé le message. Apparemment, c'est pas indispensable. Moi, je le fais. Ensuite, vous allez vous mettre comme ça dans votre message du complexe. Et moi, mon ami, vous voyez derrière avec le camion, il va me pousser jusqu'au camion, jusqu'au rond bleu du camion. Une fois que je vais être au rond bleu, j'aurai juste à faire X, flèche de droite, X. Dès que mon camion sera bugué, je ferai triangle. Il n'y a pas de timing, vous n'avez que ça à faire. X, flèche de droite, X. Et dès que vous voyez la map, vous voyez à côté du camion. Vous allez faire triangle parce que votre ami vous aura mis le véhicule à votre gauche, tout près du camion à votre gauche. Voilà, je peux pas faire mieux, les gars. Il est ultra easy. Celui-là, il faut le garder. Donc là, vous voyez, je fais triangle, je monte dans le véhicule, il est à moi. Manip a pas oublié, il faut ressortir le véhicule et le re-rentrer dans le complexe. Sinon, vous allez le perdre. Il vous reviendra la voiture de PNJ. Ça vous permet de la valider. Et ce véhicule, il sera pas buggé. Donc après, je vais le switcher dans le complexe. C'est un glitch avec des plaques propres. Donc profitez-en. Voilà, tous ceux qui n'ont pas éteint leur console, vous pouvez faire une mise à jour et faire ce glitch. Le seul problème, c'est juste que à chaque fois, on doit aller récupérer le camion. Donc au pire, si vous voulez pas aller chercher le camion, là, par exemple, je rentre, je sors à pied. Je demande une RH8 au mécano et je la switch avec ce véhicule. Donc ça permettra d'avoir
votre camion mobile toujours au même endroit. Vu que quand vous rentrez dans le complexe, votre camion mobile il disparaît. En fait, c'est ça le bug. Donc ça, vous aurez des moyens de l'éviter, d'aller chercher tout le temps votre camion. Donc là, vous voyez, je vais switcher en rentrant dans le complexe une RH8. J'aurais pu appeler mon mécano, c'est vrai. Genre une fois sur deux, ben, vous appelez votre mécano. Voilà les potos. Je vais vous en refaire une autre, comme ça vous comprendrez bien la manipulation. Les gars, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On compte sur vous. Prochain live que je vous fais, je vais vous donner des véhicules. Donc je vais essayer d'en récupérer le maximum pour que vous ayez un peu de choix. Et si mes amis sont avec moi, ils pourront vous donner un peu ce que vous avez besoin. Allez, c'est parti, on recommence. Donc là, je suis obligé de rappeler mon camion. Donc ça marchera en succession publique et invitation. Vous aurez le choix. Faites-vous plaisir, les gars. Là, il y a de quoi vous donner, dupliquer la totale. Les petits levels, faites-vous une éléguée RH8. Faites-vous donner ce véhicule full custom. Et après vous dupliquez, vous êtes riche. Dans la nuit, vous êtes riche. Voilà. Si vous n'éteignez pas votre console, vous allez en histoire. Et vous mettez en mode repos ce week-end. Vous le cartonnez ce glitch, vous êtes riche. Voilà. Pas besoin de faire des modes menu, tout ça, pour être banni. Donc voilà, moi je vous dis, il y a plein de glitches, vous risquez d'être banni facilement. C'est bien beau, faites ci, ça, vous êtes milliardaire. Ben, le jour où vous serez banni, vous serez dégoûté. Quand vous allez recommencer tout le jeu à zéro, il y a glitch et abus. Donc moi je vous conseille de rester tranquille, faire des petits glitches de temps en temps. Si vous voulez pas tout recommencer à zéro, ben, je vois pas le but de la manœuvre. Donc les gars, vous pourrez rentrer dans ce camion que des véhicules que vous pourrez sortir et re-rentrer. Vous ne pourrez pas appeler, faire un appel de véhicule du camion. Donc après, vous allez recevoir une voiture de PNJ. Il faut la sauvegarder. Donc ça ne marchera pas pour les tanks, ça ne marchera pas pour tous les véhicules que vous ne pourrez pas ressortir. Voilà, je préfère vous prévenir. Allez. On remet le camion comme il faut, on vérifie la cinématique et en avant. Mon ami, il est pris sur la dalle. Si vous avez le même complexe qu'il est sur la dalle, il ouvre le menu. Le menu avec le pavé tactile. Comme ça, il n'est pas pris dans son complexe. Allez, on rentre le véhicule, on vérifie la cinématique. Je demande à mon ami qui me prépare un véhicule. Donc là, vous pouvez voir qu'on est trois, mais c'est vraiment parce qu'on est trois. Hein. À deux, vous le faites. Voilà, votre ami, il a juste à vous pousser avec un gros véhicule. Et ça va le faire. Là, vous voyez, il va me donner un héros. Non transformé. Et ensuite, je vous montrerai que les plaques sont pas identiques. Okay, changement de plaque. On récupère la plaque de la RH8 qui est buggée dans le camion. Impeccable. Donc là, pareil, on revole un véhicule de PNJ. On va se remettre sur le message du complexe. N'hésitez pas à aller liker le YouTube à Kevin, les gars. Il vous l'a sorti déjà ce glitch il y a 2 heures.
Dès qu'il a vu ça, bim, direct. Allez, vous mettez de façon que votre collègue puisse vous pousser facilement. Là, il va me pousser jusque devant mon camion de mobile. Dès que mon camion mobile il est à côté, il va me dire c'est bon. Je vais faire X, flèche de droite, X. Le camion il va danser le Mia. Et ensuite je vais faire triangle parce qu'il m'aura mis la voiture sur le côté gauche. Près de moi, côté gauche du camion. Au cul. Ça veut dire que dès que j'aurai bugué, bim, j'aurai le camion directement à côté de moi. Voilà les potos, je vous fais une grosse bise et bon glitch à vous tous. À bientôt. Tchuss.